Ça va? Mmh. Elle est partie, ta sœur? Ouais, on s'est engueulé, elle s'est barrée. Pourquoi? Les enfants. Qu'est-ce que t'as dit sur ces enfants? Non, pas les siens, les nôtres. Pardon? Enfin, pas les nôtres, les enfants qu'on fait pas. Non, mais elle me dit, et vous, vous vous y mettez quand avec Joe? Moi, je dis jamais. Attends, mais pourquoi, enfin? Tu te rends pas compte de ce que tu rates, hein? Tu dois faire des enfants. Non, mais attends, il y a une loi qui est passée ou quoi? Et là, elle me dit, mais moi, j'adorerais être tata. Bah, du coup, je lui dis que tata, c'était pas si bien que ça. Hein. Moi, par exemple, bah, je suis tata des siens et franchement... Margot, laisse-la dire, tu t'en fous. C'est pas normal de te disputer avec elle à chaque fois. T'as 30 ans, plus 3 ans. Bon, arrête de faire l'enfant. Mais je fais pas l'enfant, hein. Bon, c'est pas moi, c'est elle. J'ai rien fait, moi. Tu vois, plus, excuse-moi, mais avec nos vies, s'occuper d'un enfant, c'est pas possible. Ah merde, il y a une porte. Elle nous redescend. Jo, t'es assez? Quoi? Bah, ils sont défaits. Ah ouais? Tu peux me tenir la caméra? Ouais. Mais tu sais pas faire tes lèvres. Ça va, attends. Regarde, attends, c'est bon, assieds-toi, je vais le faire. Tiens. N'importe quoi. Bon, alors, regarde. Là, tu fais un nœud jusque-là, tout va bien. Après, tu fais une boucle. Tu passes le lacet autour. Et hop, tu le repasses là. Voilà. Là, c'est des lacets. Et voilà, on est paré. Allez. Putain, mais t'es trop con. Oh, ça va, hein. Mais non, ça va pas. Je vais pas avoir mon boulot à cause de toi. Je devais suivre les fissures du trottoir jusqu'au feu pour l'avoir. Hé, hey Margot, je pense que si tu veux l'avoir, l'entretien, il faut que tu traverses à reculons et à cloche-pied, mais que sur la ligne blanche, hein. Ouais! C'est bon, je vais l'avoir? Je reprends quand même, hein.